Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une bonne séance de dressage avec Gitana et j'espère une bonne parce que je vais essayer une nouvelle selle de dressage que je vais, si ça se passe bien, potentiellement acheter. Voilà, j'avais envie de filmer ça. Allez, on va la préparer. On y va! Ça y est, on a fini notre séance, on a bien transpiré, elle est trempée. Autant il y a depuis plusieurs jours on avait du mauvais temps, il faisait un petit peu frais et tout. Là on a un soleil de ouf, une vraie météo du mois de mai, donc ça fait plaisir. Mais du coup on a eu bien chaud. Pour la séance c'était plutôt pas mal, on s'est fait plaisir. Une petite reprise de dressage tranquillou et un peu de mise en selle pour moi à la fin. J'ai mal aux cuisses. Et pour la selle, et ben écoutez, je me sens bien dedans. Après, c'est pas transcendant de fou non plus. Je sais pas si je suis prête à mettre ce prix-là dans une selle, donc il faut encore que je l'essaye 2-3 fois. Il faut que je vois les images aussi, si ça change vraiment quelque chose dans mon attitude, dans ma position. Ça change quand même quelque chose, j'ai l'impression, dans l'attitude de Gitana. Il faut que je fasse une autre séance avec ma selle classique pour voir si c'est juste en ce moment qu'elle est top ou si c'est la selle qui fait qu'elle arrive à mieux se développer, etc. Donc voilà, affaire à suivre. Je vais la laisser brouter comme ça un petit moment, ensuite je vais la doucher puisque là elle a bien bien transpiré vraiment de partout clairement. Voilà, on verra pas bien, mais voilà, de derrière, devant elle est trempée, au niveau de la selle aussi, on tourne en rond, c'est le tourniquet. Donc voilà, une bonne douche et après ben écoutez, il sera midi et quelques, donc donner à manger, à boire à tout le monde comme d'habitude. Voilà, une bonne séance. Voilà, Chacha au pré, bien douché, la bonne carotte. Elle va passer la journée là, elle va bien profiter. J'ai ouvert un peu plus le pré en fait sur le mountain trail pour qu'il me débroussaille tout ça, comme ça il y a un peu plus d'herbe, parce que ici ça commence vraiment déjà, on est au mois de mai, déjà à être alors sec non, mais il n'y a quasiment plus d'herbe, plus grand chose à brouter. D'ailleurs elle n'est pas très maligne, elle va brouter de ce côté-là. Ah non, elle va aller se rouler. Voilà, elle va se rouler, bien se dégueulasser, ça valait le coup de la doucher. Mais oui, voilà, je disais, j'ai ouvert ici, comme ça, il y a pas mal à brouter. Et moi, ça débroussaille. Et je sais qu'ils se font pas mal, ils font attention avec tout le parcours de mountain trail. Voilà, la grosse régalade pour Chacha. Là, le gros kiff après la douche. J'ai fait une douche complète, hein. Elle avait bien transpiré, en plus il fait bon. Hein. Vous voyez, pas un seul nuage. C'est très agréable. Elle est belle. Ça va? Ouais. L'autre côté? Non? Pas nécessaire? Ouais. Je vais aller chercher son masque à mouches quand même, parce qu'il y a plein de petits moucherons. Oh, elle est dans un état. Oh, je sais pas si on se rend bien compte. Il y a des petits oiseaux dans les bambous, ça fait flipper.
Ouais, elle est toute croûtée, toute panée. Dégueu. Donc oui, je vais aller lui chercher son masque à mouches puisqu'il n'y a pas encore trop de mouches, mais il y a plein de petits moucherons tout pourris qui viennent se faufiler dans les oreilles. Et si c'est pour qu'elle secoue la tête toute la journée, la pauvre, c'est pas la peine. Donc on va empêcher ça. Voilà, bonne journée Batman. Je viens de donner une petite douche à Nana parce qu'elle avait vraiment chaud, donc elle râlait, hein, elle aime pas trop l'eau. Mais là maintenant qu'elle est libérée, c'est la folie. Hein Nana ? Ça va ? Ça a été ? C'était pas la mort ? Non ? Ça va ? Elle étouffe le fille. Mais on dirait qu'elle est déjà sèche, elle a le poil imperméable. Alors ? Alors ? Ça a été ? Ouais ! Oh là 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 ! Elle a chaud, elle a chaud. Vous vous demandez peut-être où est passé Eden, pourquoi on allait toute seule. Et bien Eden en fait c'est son jour de stérilisation, donc je l'ai déposée ce matin au refuge où on l'a adoptée. Et elle passe la journée là-bas pour se faire stériliser et on la récupère ce soir. Donc j'ai pas encore eu de nouvelles, j'en aurai en début d'après-midi, là, voilà, donc d'ici une heure ou deux. Mais voilà, c'est pour ça que pour l'instant, Nala est toute seule. Eden est en train de se faire opérer à l'heure où je vous parle. Et donc la prochaine fois que vous verrez Eden, que ce soit dans mes stories ou dans la prochaine vidéo certainement, et ben ce sera avec sa collerette et ce sera une adulte officiellement, puisque passé les 6 mois, elle s'est fait stériliser. Voilà. Toutes mes affaires sont rentrées, tout le monde a mangé, tout le monde est en train d'avoir à boire, dernière bassine en train de se remplir, des petites papouilles à tout le monde comme d'habitude. Moi du coup là c'est bon, Chacha est au pré, mes affaires sont rangées comme je viens de dire, je me répète sans cesse, c'est infernal. Mais sur ce en fait je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo, je pense que ce sera assez long comme ça. J'espère que ça vous a plu de me suivre avec cette séance et une partie de la matinée pour le travail avec les chevaux. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye bye.